Je crois que je suis sûre. Je crois que je suis sûre. Je suis sûre. Je suis sûre. Je suis sûre. Je crois que je suis sûre. J'ai entendu le bruit de ses talons sur le pavé de Paris. Un étalon avec Rocher me suit depuis le salon. Je suis suivie avec ma Noël coupe type abat-jour, ma couleur éclaircie de Marilyn. Je comprends bien qu'on me fasse la cour. J'ai l'air d'une lampe design de magazine. J'éclaire toute la rue avec mon nouveau style. C'est bien simple, j'ai un frisson tellement je sens que ça brille. Je crée l'événement. Ce soir j'ai senti, mais de là à me suivre jusqu'à la Bastille. Mais même dans la foule il ne renonce pas. Il me suit comme une ombre jusqu'à l'opéra. Je voudrais me retourner, lui parler, mais j'hésite. Et puis il y a cet anglais qui me demande What time is it? Je devrais m'y accrocher comme un dernier rempart. Je vois que l'autre approche et qu'il n'est pas trop tard. Seulement je bafouille, mon anglais me trahit. J'aurais dû suivre les cours de Mademoiselle Perry au lieu d'être suivi. Sachant que ma rue est une rue très étroite, à l'abri des regards, du passage et du bruit. Si j'avais su, je ne l'aurais pas choisi. Dans ma tête, j'élabore toutes les solutions. Y'a plus personne à bord, vaste opération. J'aurais dû reprendre le sport, pratiquer le self-défense. Et c'est maintenant que j'y pense, à deux doigts de la mort. Pas de bombe lacrymo, pas de kit de survie. Y'a plus rien à faire, je suis suivi. Je crois que je suis suivi. Je suis suivi. Je suis suivi. Je crois que je suis suivi. J'approche impatiente de la porte magnétique. Mais ses pas sont pressants et son souffle distinct. Plus qu'une seule chose à faire, y aller à l'instinct. Évidemment, pas de témoin de cette scène historique. À ce moment-là, tout le monde avait piscine ou gymnastique. À cet instant, il me hait de plus belle. Comme s'il attrapait un taxi dans les rues de New York. Il me dit, attendez, attendez, attendez mademoiselle. Et moi prête à bondir sur cette espèce de vieux porc qui me dit, je suis femme, je suis un grand coiffeur pour dames. Vos cheveux sont de l'or, avez-vous un sponsor? J'ai toute une chaîne de magasins. J'ai toute une gamme de shampoings. Me chante-t-il à gorge déployée. Il m'a tendu sa carte et je l'ai empoignée. Je voulais lui mettre une carte, mais mes manières soignées, qu'il avait tant charmé, auraient été débafouées. J'ai tourné les talons, j'ai quitté les talons qui s'éloignaient déjà dans la nuit plus légère. En montant l'escalier pour trouver mon salon, je jetais sa carte là sur mon étagère. J'avais besoin sûrement d'un petit remontant, un thé à la menthe, un paquet de chips ouvert. Je songeais à ma tante qui avait déjà souffert d'une agression de ce genre il y avait quelque temps. Il y avait quelque temps. Une semaine s'est passée depuis cette anecdote. Et la peur s'est tassée, je suis allée voir des potes. Aujourd'hui c'est mardi, je descends au Tuileries. J'ai rendez-vous avec mon psy, je suis encore. Je crois que je suis suivi. Oh,
Je crois que vous m'avez suivi.